Shamashia. Papa na lola Dieu koto mola yoli susu zame. Et donai et nous t'élevons, Jora Shalom et nous t'élevons, papa. Le Dieu Tout-Puissant, les princes de paix, toi qui vis à Shaman. Ton nom est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Le temps de le sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes rien, papa. Nous voici encore une fois de plus, Seigneur, devant ton trône de grâce, pour te dire merci. Pour te dire merci, Yoshua. Pour te dire merci, ô Rabouni. Pour te dire merci, ô le Tout-Puissant. Pour te dire merci, ô le Prince de paix. Pour te dire merci, ô l'agneau Satan. Pour te dire merci, ô le Tout-Puissant. Et les lions, sois élevé. Jehovah Shalom, sois élevé. Jehovah Shama, sois élevé. Jehovah Jireh, sois élevé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Yahweh, nous t'élèvons, Seigneur. Papa, car tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci aux chers Saint-Esprit pour ces moments. Papa, que nous voulons encore te confier, papa. Nous voulons encore t'écouter à travers ta parole, Seigneur. Car tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Mon sauveur, laisse que cette parole, Seigneur, guérit le cœur, papa. Guéris le cœur, ô Yahweh. Guéris-nous, Seigneur, à travers ta parole. Et parle-nous, Seigneur, pendant ces moments. Ces moments ici, Seigneur Jéhovah, que beaucoup, Seigneur, ont abandonné la foi éternelle à cause, Seigneur, des déceptions de ce monde. À cause, ô Yahshua Mashiach, des choses qui se passent, Seigneur. Yahweh, papa. À cause, Seigneur, Yahushua Mashiach, de manque, à cause de la souffrance, Yahweh, beaucoup ont abandonné la foi. Mais Yahweh, il n'y a que toi qui relève, Seigneur. Relève ton peuple, ô Seigneur Jésus. Yahweh, tiens-les par la main et relève-le, Seigneur. Yahweh, papa, donne la force à tous ceux qui n'ont pas, Yahweh, la force. Donne la force, Seigneur, à tous ceux qui sont fatigués. Donne la force à tous ceux qui sont fatigués, Adonai. Papa, conduis-les, Seigneur, vers ton chemin. Conduis-les, Adonai, vers ton chemin. Le tonnel aide, Seigneur, ton peuple. Aide tous ceux qui sont faibles. Tous ceux qui sont faibles, aide-le. Jéhovah, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. L'Israël était faible devant toi, mais tu as envoyé Moïse, Yahweh, pour délivrer, Seigneur, ton peuple. Le temps à chaque fois, Seigneur, qu'il péchait, Yahweh, Moïse demandait ta miséricorde. Je viens aussi demander, Seigneur, ta miséricorde, papa, sur ton peuple, Seigneur, sur tes enfants qui sont fatigués, sur tous ces, Seigneur, qui sont dans les déceptions, qui ont abandonné la foi. Le temps est en ta main, Seigneur, que ta miséricorde et ta grâce, que ta faveur, Seigneur, repose sur eux, Seigneur, dans leur foyer, dans leur famille. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là, merci parce que tu es toujours au rendez-vous. Je t'aime parce que tu es l'ami fidèle. Tu ne manques jamais là où on élève Jésus. Tu ne manques jamais là où Jésus est élevé. Tu ne manques jamais. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta présence. Car tu es en train d'allumer le feu dans nos corps, le feu dans le cœur de tout ce qui est dans ces liens et tout ce qui nous suit. De près comme de loin. Oh merci, oh cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es encore, de faire un grand travail. Oh, pour élever quelqu'un qui était déjà tombé, qui était déjà par terre. Tu es donc encore de l'élever, de l'encourager. Merci, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, oh les consolateurs. Merci, oh l'Esprit de Dieu. Alléluia, merci. Merci, ô cher Saint-Esprit. Merci, ô le Consolateur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci. Ô Yahshua Mashiach. Papa, nous te lèvons. Adonai, nous te lèvons. Jéhovah Shalom, nous te lèvons. Jéhovah Shama. Merci, Alléluia. Ô Jéhovah Sabaoth, nous te chantons, Papa. Et nous te lèvons avec des cantiques, Yahweh. Yahweh, car Dieu merveilleux. Alléluia. Jéhovah Shammah.
Jéhovah Shirei, Dieu, Papa, toi qui n'as pas changé. Oh, merci pour ce moment que nous voulons encore t'écouter. Toi qui me suis de près et de loin, commence maintenant à prier là où tu es. Élève ta voix, commence à adorer le roi des rois. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus avant d'écouter la parole de Dieu. Commence d'abord. Commence à élever Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est assis sur le lieu très haut. La source intérissable. L'homme qui ne change pas. Qui n'a pas connu le péché. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le ressuscité entre le troisième jour. Le ressuscité le troisième jour. C'est Jésus. Jésus de Nazareth, il est descendu, il a pris ta place, il a pris ma place, il s'est fait maudissier à la croix et nous voilà bénis aujourd'hui. Jésus est merveilleux, Papa nous t'élèvons, Jésus nous t'élèvons, Adonai nous t'élèvons, Jéhovah Shalom nous t'élèvons, Jéhovah Shammah nous t'élèvons, le Tout-Puissant nous t'élèvons, la main révélée nous t'élèvons. Car toi tu es merveilleux, Papa, rien n'est comme toi, Yoshua Mashiach, rien n'est comme toi, Jéhovah Sabaoth, rien n'est comme toi, Jéhovah Shammah, rien n'est comme toi, les comparables, rien n'est comme toi, le Dieu de paix, le Dieu d'amour sois élevé, Papa, le Dieu d'amour sois élevé, Jésus, le Dieu d'amour sois élevé, les rejetons de David, la pierre ordinaire sois les élevés. Sois élevé mon roi, sois élevé mon rédempteur Yahweh, sois élevé le Dieu qui m'a ramassé de la poussière à l'élévation. Merci parce que tu m'as fait asseoir avec de grands Seigneurs. Merci parce que ta papa, Yahweh, ta main puissante, Yahweh me protège. Ta main puissante nous protège, Jéhovah Shammah. Ta main puissante nous protège, Jéhovah Jireh. Merci pour ta main puissante, Yahweh. Merci pour ta protection divine, Seigneur. Merci, oh Yoshua Mashiach, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui t'a racheté, qui a versé son sang sur les montagnes de Golgotha. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est assis dans les lieux très hauts, et dans le toit qui a fait les cieux, ton trône et la terre et ton marchepied. Laisse-moi t'élever, oh mon Jésus, laisse-moi t'élever, oh mon rédempteur, laisse-moi t'élever, oh Yoshua Mashiach, qui est comme toi, Seigneur. Le monde change, Jésus. Les nations changent, Papa. Mais toi, tu ne changes pas. Oh, Yahweh, la benga kayo sambe monet. La benga kayo sambe bikawa. Oh, Yoshua Mashiach, je te lave, Seigneur. Dans ma famille, tu es le roi. Dans mon ménage, tu es le roi. Dans mes projets, tu es le roi. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Laisse-moi t'élever, mon roi. Laisse-moi t'élever, mon papa. Laisse-moi t'élever, mon rédempteur. Laisse-moi t'élever, mon rémunérateur. Le Dieu qui m'a choisi. Le Dieu qui m'a choisi. Le Dieu qui t'a choisi parmi les vivants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je lui ai choisi ma chia. C'est celui qui ne change pas. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est là, oh Seigneur. Merci, Yoshua Mashiach. Merci pour ta présence. Merci pour ton entrée dans ces lieux. Merci pour ton entrée dans ces lieux. Merci parce que Jésus a fait son entrée. Il est là parmi nous. Il est là, Seigneur. Merci. Merci pour la présence des anges. Merci pour la présence des anges dans ces lieux. Merci, oh Yoshua Mashiach. Rabouni, sois loué le roi des rois. Sois glorifié le prince de paix. Sois glorifié le Seigneur des Seigneurs. Oh, ta bonté dira toujours et ta fidélité de génération en génération. Là où l'homme se limite, là où les nations se limitent, là où le président se limite, Papa, toi tu commences, Yahweh. Là où les médecins sont limités, Seigneur, c'est là où tu agis, Papa. Oh, les docteurs de docteurs, les docteurs qui font l'opération, sans cicatrice, c'est toi, Yoshua, toi qui guéris. Tu guéris, oh Yoshua, par ta parole puissante. Alléluia, je viens élever ton nom. Je viens élever le nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus. Touche-nous fléchis. Touche-nous fléchis devant le nom de Jésus. Et toutes les langues proclament que
Jésus-Christ est Seigneur, car il est Seigneur. Adonai est Dieu. Tu es Dieu mon droit. Tu es Dieu, papa. Les blocages, Seigneur, papa, fléchissent devant ton nom. La maladie fléchisse devant ton nom. Les sorciers applaudissent devant ton nom. Les marabouts fléchissent devant ton nom. Et le lion soit loué. Et Shalaya soit loué. Le Vachalam soit loué. Sortir, alléluia, de l'esclavagisme, à la liberté, Seigneur. En toi, nous sommes libres, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur, et tu nous as donné la liberté. En toi, nous sommes libres. En toi, nous sommes libres. Oh, Yoshua, laisse-moi t'adorer, mon roi. Laisse-moi t'adorer, mon papa. Laisse-moi t'adorer, mon rédempteur. Laisse-moi t'adorer, mon Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Comme toi, papa. Personne n'est comme toi. Tu es l'incomparable, mon Jésus. Tu es l'incomparable. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Tu es l'incomparable, mon roi. Yama enanya kokanile yo. Ebisika yo le kaka yesu. Yama tika kabile mo. Oye simba mi epaina yo. Nanya koki komonte la sabe. Oye fumoni yesu la nai. Nanya koki kokanga, papa. Yama. Yoshua, laisse-moi t'élever, mon roi, laisse-moi t'élever, mon rédempteur, laisse-moi t'élever, là où le monde abandonne, Seigneur, Yahweh, toi tu prends, Seigneur, et tu donnes la valeur, tu donnes de la valeur, papa, laisse-moi t'élever, mon Jésus, laisse-moi t'élever, mon roi, laisse-moi t'élever, mon roi, laisse-moi t'élever, mon Yoshua, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, sois loué, papa. Le Dieu souverain, le Dieu souverain c'est toi. Tu es souverain mon roi, tu es souverain mon Jésus. Tu es souverain mon roi, mon rédempteur tu es souverain. Mon Jésus tu es souverain, et les lions tu es souverain. Alléluia Joshua, Yoshua Mashiach. Toi qui viens visiter ton peuple Seigneur, merci parce que tu es là. Yahweh tu es là mon roi. Tu es là, mon Jésus. Tu es là, mon Jésus. Alléluia. Ne prie pas par mon rythme. Mais prie et élève ta voix. Même si moi je m'arrête, toi continue toujours. Ça montre que tu es déjà monté. Quand l'aigle monte, il ne regarde même pas. Il va tout droit. Il monte. Monte maintenant. Va maintenant loin. Monte maintenant dans ta prière. Cherche la face de Dieu, car le salut est individuel. Cherche la face de Jésus, car le salut est individuel. Je te conseille, mon frère, ma soeur, de commencer à chercher la face de l'Éternel, car le temps est mauvais. La parole de Dieu nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La parole de Dieu nous parle de le dernier jour, des derniers jours, des derniers jours. Nous passons des moments, des derniers jours, où les sommets seront fanfarons, amis de l'argent. Oh, les derniers jours, où serai-je dans les derniers jours? Tu seras où, mon frère? Tu seras où, ma soeur? Tu seras dans l'ivrogne? Tu seras dans les débauches, tu seras dans les pudicités, dans la distraction. Oh Yoshua, papa, Yoshua Mashiach, Jésus, prie Dieu, afin que Dieu t'arrache, t'arrache, prie Dieu, afin que Jésus t'arrache de la distraction de ce monde, là où le monde est plongé dans la distraction. N'entre pas. Oh Yoshua, rappelle-toi l'histoire des 10 vierges. 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Qu'est-ce que les sages ont fait? Ils ont resté avec leur huile. Ils ont mis les réserves de leur huile. Mais les 5 folles n'avaient pas d'huile. Oh Rabashekere les 7. Les 5 folles n'avaient pas prévu l'huile. Mais quand le maître est venu, ils ont cherché à aller voir le maître. Ils ont cherché à aller voir le maître.
Mais ce qui avait mis leur nuit de côté, et celle-là, ils ont retrouvé leur maître. Où es-tu maintenant? Tu es parmi les cinq folles. Où tu es parmi les cinq sages? Moi, je te conseillerais d'être parmi les cinq sages. D'être parmi les cinq sages, les hommes de Dieu. Oh, entre maintenant. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu sont dans la distraction. Oh, Yoshomashi, sors dans ton kajibi. Sors là où tu es caché comme un talent. Rappelle-toi l'histoire des talents. Un riche qui a pris cinq talents, il a remis à son serviteur. Il avait cinq serviteurs. Il a remis les cinq talents à un serviteur. Il a remis cinq encore au deuxième serviteur. Et les trois talents au troisième. Le deux talents au deuxième. Et le premier, le dernier talent au premier. Et celui qui avait le cinq, il en a encore reproduit. Et il a encore reproduit les cinq. On dit, quand mon maître viendra, me trouvera encore que j'ai reproduit ses talents. Mais l'autre qui avait aussi quatre, il a encore reproduit. Et l'autre qui avait trois, il a encore reproduit. Celui qui avait deux, il a reproduit. Mais celui qu'on avait remis un talent, il est parti cacher ses talents en disant, je connais mon maître. Oh, c'est un homme rigoureux. C'est un homme, alléluia. Il a commencé à déterminer. L'homme de son maître, il a commencé à voir l'apparence de son maître, mais il a oublié le spirituel. Or, les spirituels qui attirent les spirituels qui attirent le physique, alléluia. Il a gardé ses talents jusqu'à ce que son maître est revenu. Il a dit, maître, j'ai gardé ses talents. Et le maître lui a dit, mauvais serviteur. Mauvais serviteur, parce que tu n'as pas reproduit ces talents, parce que tu n'as pas fait que ces talents puissent se multiplier, tu ne l'as pas multiplié. Laisse-moi te dire, peut-être que tu connais quelque chose, tu te dis, moi je m'arrête par là, mais laisse-moi te dire que Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes par là, Dieu veut que tu ailles de l'avant. Comme il nous a dit dans sa parole, je veux que vous prospérez en tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Dieu veut que tu prospères, que tu ne sois pas seulement un homme qui écoute seulement, que tu ne sois pas seulement une femme qui écoute, mais un homme qui se lève à minuit, qui commence à prier, qui commence à lire la Bible, qui commence à invoquer la présence de Dieu. Alléluia! L'Éternel n'est pas celui qui t'a donné ce talent pour le garder. Il te donnera, il te demandera après, qu'est-ce que tu as fait avec le don qu'il a mis en toi? Et qu'est-ce que tu as fait avec le talent qu'il t'a remis? Tu vas lui dire, Seigneur, j'étais dans mon lit, j'étais avec mon Jésus, j'étais avec en train d'aller naviguer partout pour voir tout ce qui se passe dans le monde. Mais l'Éternel te demandera, un jour, il te dit, mais je t'ai réveillé la nuit pour prier pour les malades, pendant qu'il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux, pendant qu'il y a des boiteux, pendant qu'il y a des hommes qui ont besoin de ta prière. Toi, tu dormais à ce moment-là, tu dormais à ce moment-là, tu dormais à ce moment-là. Or, il y avait des âmes à partir à travers ta prière. Oh, tu allais faire quelque chose. Ils allaient, alléluia. Mais tu étais là endormi. Tu étais là dans la distraction. Tu te dis, oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. J'ai abandonné ceci, oui. J'ai laissé ceci, oui. Mais la vie de prière, mon frère, ma soeur, dans ta famille, il y a des gens qui sont malades. Dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu prends même 30 minutes pour prier pour ces gens-là? Oh, serviteur égoïste. Serviteur égoïste. Serviteur égoïste. Serviteur égoïste. L'Éternel te
entrer dans la distraction. Tu vois que ta beauté, tu vois que tout ce qui est tout autour de toi, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas lire même la Bible. Mais l'Éternel te demandera ton talent. Tu seras comme les 10 vierges, comme les 5 autres. Sont allés garder, qui n'ont pas pris des réserves leur huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La lumière, c'est la parole de Dieu. Un homme qui lit la parole, c'est un homme qui va prospérer. C'est un homme qui va aller de l'avant. C'est un homme qui va réussir. Si tu veux réussir, les secrets, ne pas seulement d'aller chercher l'argent, d'aller au travail, mais de lire aussi la Bible. Un homme qui réussit, c'est un homme qui cherche la parole, qui cherche la présence de Dieu. Alléluia. Commence à prier maintenant. Dis, Seigneur, aide-moi. L'Éternel, aide-moi, papa. Jésus-Christ, aide-moi. Que je me lève encore. Que je prie encore. Que je médite encore la Bible. Là où j'avais abandonné, Seigneur. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Mais je suis venu encourager quelqu'un. Dis, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. L'Éternel, aide-moi. Jésus, aide-moi. Adonai, aide-moi. Élève-moi, Seigneur. Donne-moi cette force, papa. Donne-moi cette force, Jésus. Parce que je suis combattu, mon roi. Je suis combattu, mon Seigneur. Pendant que je me lève pour prier, Seigneur, il y a une autre voix qui me dit, ne prie pas. Oh, va seulement au lit. Va au lit, va dormir. Seigneur, donne-moi cette force. Demande la force. Comme Samson. La Bible nous dit que Samson était à la fin de sa vie. On lui a troué les yeux. On a troué les yeux. Oh, alléluia. Ils ont coupé les cheveux de Samson. Mais Samson, pendant que les cheveux de Samson repoussaient, Samson a dit, Seigneur, donne-moi la dernière force. Demande, Seigneur, donne-moi la dernière force. Parce que peut-être que tu as abandonné. Mais dis, Seigneur, donne-moi la dernière force, Yahweh. Afin que je me fâche contre mes ennemis. Afin que je me fâche contre mes ennemis. Donne-moi la dernière force, Seigneur. Regarde quand mes ennemis se moquent de moi. Mes ennemis se moquent de moi. Ils ont mis la maladie sur mon corps. Mes ennemis commencent à se moquer de moi. Parce qu'ils ont pris, Seigneur, papa. Ils m'ont arraché, Seigneur, la joie. Mes ennemis commencent à se moquer de moi. L'Éternel, ils ont pris mon argent. Les ennemis commencent à se moquer de moi. Parce que je n'ai plus rien, Seigneur. Je n'ai plus de travail, Yahweh. Je n'ai plus des habits, Yahweh. Je dors dans la rue, papa. Mes ennemis se moquent de moi. Parce que le mari est parti. Parce que ma femme est partie. Mes ennemis se moquent de moi. Parce que je n'ai pas des enfants. Mes ennemis se moquent de moi, papa. Parce que, Yahweh, je n'ai plus, Seigneur, de travail. Je suis chômeur. Dis, Seigneur, donne-moi la dernière force. Éternel, donne-moi la dernière force. Jésus, donne-moi la dernière force. Tu as donné la force à Samson. Et Samson s'est vengé contre ses ennemis. Oh, Jéhovah. Elohim, El Shaddai. Donne à ton peuple les dernières forces, Yahweh. Là où ils étaient déçus, alléluia. Là où ils étaient déçus, Seigneur. Papa, renouvelle encore leur force. L'Éternel renouvelle encore leur force, Jésus. Adonai, renouvelle encore leur force. Dis, Seigneur, renouvelle ma force. Ne dis rien, commence seulement à dire, Seigneur, renouvelle ma force. Renouvelle ma force, Jésus, au nom de Jésus. Renouvelle ma force, oh Seigneur.
Renouvelle ma force, Adonai. Je renouvelle ma force, oh Jehovah Shalom. Renouvelle ma force, oh Jehovah Shama. Renouvelle ma force, oh Yahweh. Oh Rabasetere Begoria. Renouvelle ma force, Papa. Oh Yahweh. Donne-moi encore cette envie de te chercher. Alléluia. Yo Shabashi. Sois loué, sois glorifié. T'abandonne ce moment, Seigneur, de prière entre tes sentiments. Conduis-nous, Seigneur, et parle-nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.